je continue. Donc pour le professionnel taureau et enfin pour le social. Alors pour le général, oh, c'est comme avant. Oh, qu'est-ce qui se passe les taureaux? Professionnel, très bon. Général, il y a une adversité. Oh là là. Bon, là, c'est en brune noire. Il y a une dépression même, vu par rapport à ce qui se passe. Vous sentez que vous êtes paralysé par quelqu'un ou par une situation. Vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Vous ne voyez pas l'issue d'un problème. Il se peut aussi qu'on vous met des bâtons dans les roues. Hein. On ne vous lâche pas. Bon, bref, c'est une situation générale un peu, beaucoup pesante, difficile à vivre au mois de juin. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il se peut aussi, c'est quelqu'un qui vous met aussi dans cette, dans ce mal-être, hein, ou une situation, mais là, bon. Ah, bon. Mais bon, il y a la chance qui est avec vous, hein, les taureaux. Au niveau professionnel, il y a l'amour et le papyrus. Vous faites les choses avec le cœur, avec vous êtes dans la passionnée par ce que vous faites, ou peut-être on vous propose quelque chose de passionnant aussi, hein, il se peut. Hein. Papyrus, un engagement, quelque chose pour qui va vous faire du vous donner du plaisir et vous passionnera en fait. Mois de juin, ça vous passionne, quelque chose que vous tenez aussi à faire. Bon, là il y a la passion, on aime ce qu'on fait, vous tenez à aussi à continuer dans cette lancée, hein. Le professionnel, c'est tout bon. Il y a aussi, on vous aime, on vous apprécie, hein, aussi. On vous apprécie au niveau de travail. Et ça se sort au niveau concret, des propositions intéressantes. Au niveau social, relations, famille, amoureuse, c'est la famille, on parle, hein, on parle de la racine, méditation. On cherche à trouver en fait son refuge au niveau famille. C'est ça qui vous permet de, aussi de vous sentir bien. C'est la famille, la méditation. Vous vous sentez en équilibre, en harmonie avec votre vie sociale. Alors que là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais sortir. Lumière. Bah, mise en lumière. Je pense que ça va s'éclaircir aussi. C'est comme le précédent signe. Je ne sais plus comment... Et c'était pareil, il y a un éclaircissement par rapport à cette, ce mal-être, cette quelqu'un, hein, mise en lumière. On éclaircit les choses, on met en évidence ce qui ne va pas aussi. Hein. Vous allez pouvoir surmonter ce passage difficile, hein, de toute façon. Avec l'arrivée de l'été aussi. Et il y a le don aussi. C'est vous, que vous êtes bien protégé, que vous êtes aussi bien entouré. Et il y aura la chance avec vous, grâce à cette lumière qui arrive vers vous, pour vous sortir de, de cette emprise, de l'emprise d'une personne aussi, peut-être. Bon, on continue avec le petit Lenormand. Sauter. Taureau. Ah, la bague. L'engagement, l'accord, l'amour. Oh. Alors. Taureau. Ah, l'homme et la femme. Ils sont ensemble. L'homme qui regarde la femme. La femme, elle est ailleurs. Bon, ils ne se regardent pas, mais ils sont ensemble. Elle, elle est en train de
réfléchir, de rêver, mais il est là, il attend, l'homme, il est patient. Mais ils sont ensemble. Alors, général, hop. Il y a le couple, l'harmonie du couple, professionnel et social. La femme. Soit c'est vous, soit l'adversité, ça représente une femme adverse. Ou c'est vous que vous apercevez. Si vous êtes la femme, on voit que la lumière, vous regardez en direction de la lumière, de l'ouverture, l'ouverture vers l'extérieur, la découverte aussi de la vérité. Si vous êtes l'homme, bah, ça représente l'adversité, c'est la femme, et que vous allez vous en apercevoir. Vous allez démasquer ce personnage. Waouh, je sais pas. Alors, c'est profond, il y a un secret, quelque chose qui est profond en vous, là, une passion qui ressurgit là, au mois de juin, quelque chose que vous avez envie de faire, de réaliser au niveau professionnel ou au niveau activité tout court. Hein. Et c'est vraiment enfui en vous, hein, et que ce qui vous passionne est là, vous concrétisez quelque chose. Hein. Avec cette passion, mois de juin. Et il y a la mort, il y a la mort. Est-ce qu'il y a un décès peut-être que vous allez savoir au mois de juin. Il se peut hein, au niveau famille ou par rapport à un décès. On continue avec. L'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Général. Professionnel. Et social. Temps. Alors, ce qui vous perturbe, peut-être ça remonte dans le passé, ou ça a duré dans le passé, mais il y a vraiment la notion de temps. Est-ce que quelque chose qui est du passé, qui revient, la mise en lumière de cette emprise, de cette femme, que ça vous libérez enfin au mois de juin, parce que ça a pris du temps, ça a duré dans le temps, ou voilà, il y a la notion du temps. La durée, je pense. Et enfin, vous vous en sortez. Ou voilà, vous vous mettez en lumière de cette situation. Jalousie. Ah ah. Au niveau travail, on vous jalouse. Parce que, comme je vous ai dit, on vous aime, on vous apprécie. Et certainement, ça attire la jalousie autour de vous. Et peut-être c'est caché hein, aussi que vous allez vous rendre compte. Il se peut aussi, l'adversité, ça représente dans le travail. Hein, que vous allez vous rendre compte. Hein. Alors, boomerang. Un retour. Un retour peut-être par rapport à un décès. Ouais, dans la famille, il y a quelque chose qui revient là, du passé, qui est en rapport avec un décès. Et ça. Un rappel, un souvenir, je pense qu'il y a eu de la nostalgie par rapport à un défunt, une visite dans la famille, il se peut, ouais. Et enfin, avec 77 de l'esquée. Vous avez un don aussi à développer ou à prendre en compte. Quel est votre don? Peut-être par rapport à la professionnelle. Ou le don aussi de détecter les choses.
Alors, en général, professionnel et social. Pour le taureau. La clé. La clé, la solution, enfin, vous voyez là, ça a duré, mais là, enfin, au mois de juin, vous allez vous en sortir. Vous sortez vainqueur de cette situation. Professionnel, eh ben l'avion, ça sort pas mal de fois là. Et il y a un changement rapide. Changement rapide de situation au niveau professionnel. On prend une nouvelle direction rapide hein, dans votre vie professionnelle. Nouvelle direction. Et social et à la femme. Et ça représente la mère, la sœur, dans ce qui vous tient là, ou un nostalgie par rapport à cette personne, mais de sexe féminin. Ça remonte. Des histoires, du passé. Voilà mes chers taureaux, je tire une carte conseil avec les portes de l'intuition pour clôturer ce tirage pour le mois de juin pour les taureaux. Hop, l'action. Soyez prête ou prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je pense que c'est ça. Ce qui a duré là dans le temps, c'est le moment d'agir et de couper avec cet adversaire. De couper le lien, le cordon. Je sais pas, à vous de voir. Voilà, je vous dis merci. Ciao, ciao, à bientôt.